Choisis-nous des hommes. Sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Je vis ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Jésus vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Verset 15. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière, qui veut dire Jéhovah Nissi. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Frère, c'est une histoire de guerre de génération en génération. Et toi et moi, nous n'échapperons pas au combat spirituel contre Amalek. Amalek peut être une maladie dans ta vie. Amalek peut être la situation de brocade. Amalek peut être toute situation que toi-même, humainement parlant, tu n'arrives pas à faire. Ce matin ou ce midi, toi et moi, nous allons nous tenir debout dans un combat spirituel contre Amalek qui s'est décharné contre son église. Frère, nous sommes à la porte. Est-ce qu'il n'y a pas une autre dimanche? Après cela, nous serons au dimanche 5. Nous serons donc dans une autre dimension. Or, le monde entier, particulièrement en Côte d'Ivoire, tout le monde converge dans la tension qui est en train de s'élever. Les gens regardent 2020. Les gens veulent rentrer dans la victoire, dans les bénédictions, dans les promesses qu'il y a en 2020. Parce qu'en 2020, nous passons résolument au 21e siècle. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que toi et moi, on va rentrer dans l'autre siècle. Pendant que nous sommes au 21e siècle, nous allons rentrer dans la révélation du 21e siècle. Et tout le monde s'acharne pour posséder cette porte stratégique. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le monde mystique, en cas établi en Côte d'Ivoire, mène un combat acharné pour la possession des promesses. Les enfants de l'Éternel, les enfants de la lumière ne doivent pas donc rester en vain, ne doivent pas rester en marge, ne doivent pas échapper ou du moins laisser échapper cette promesse. Frère, il y a des gens qui ont reçu nos promesses, mais ils n'ont pas pu rentrer dans leurs promesses à cause de soi, leur propre vie de péché ou des situations qui ont hérité du sang de leurs parents qui parlent contre eux, qui font des réclamations contre eux. Des révélations étaient données que tu vas être un homme prospère, tu vas être un homme béni. Mais frère, tant que tu n'as pas saisi la révélation et te mettre dans la dimension de la prière, tu n'auras pas les promesses accomplies dans ta vie. Alléluia. Ce matin, nous sommes en train de dire quelque chose. Le terme que Dieu me met à cœur, c'est ta victoire dépend de toi. Frère, ta victoire dépend de toi, ma soeur. Il n'y a rien à faire. Si tu ne prends pas conscience de la situation que tu traverses, il y en a qui ont une certaine bénédiction, ils croient que la bénédiction qu'ils ont là, c'est vraiment c'est le haut niveau de la bénédiction. Pourtant, tu n'as même pas encore expérimenté le minimum de ce que Dieu a prévu pour toi. Mais quand ils sont en train de se jouir, peut-être il a un bon salaire, mais frère, Dieu ne t'a pas appelé à avoir un seul salaire. Dieu t'a appelé à avoir les salaires des nations. J'ai donné, j'enseigne ici la révélation des quatre sous. Mais l'église, j'ai comme les chrétiens, beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup s'endorment, beaucoup se contentent seulement de son seul commerce. Frère, tu dois devenir une femme qui a plusieurs lieux de commerce. Il y a une ancienne femme de Nzigan qui était à la mairie. Elle ne travaillait pas à la mairie, mais elle a ouvert le restaurant.
Je l'ai approché parce qu'elle est en même temps bourreau. Je l'ai dit, mais attends, donc, je vois qu'elle a des caca, tout ça. Mais c'est à cause de l'instrument d'ici là, tu as des caca comme ça. Et puis elle m'a dit, papa, d'abord je suis chrétien, mais dans toutes les communes d'Abidjan, j'ai plusieurs restaurants comme ça. Donc imagine, frère, elle n'a pas seulement quatre sources de revenus, elle a plusieurs sources de revenus. Il y a ce que lui apporte le restaurant de la mairie de Lepoko, à Trècheville, à Koumassi, à Makori, à Port-Poy. Et toi qui es aussi la femme de révélation, tu attends quoi? Tu te contentes seulement de ton petit commerce? Et tu ne vas pas avoir la victoire. Parce que le seul commerce, ça va te faire souffrir. Le seul travail va te faire souffrir. Parce que tu ne seras pas un homme équilibré. Et je vous ai dit ici, c'est quand tu as. Souvent, on a envie, on voit des gens qui ont eu de l'argent, on a l'autorité, viens être parrain, viens frère. Si c'était contenté de son seul source de revenu, il n'allait pas pouvoir être ton parrain. Alléluia. C'est la vérité. Moi, je suis fils de paysan. Je ne suis pas parrain quelque part. C'est la grâce de Dieu qui me repositionne. Alléluia. C'est pourquoi, quand que tu n'étais pas, tu n'as pas pris conscience de ta situation, tu ne pourras pas être un victorieux. Nous sommes des temples dans le temple des victorieux. Mais je vois que tous les jours que Dieu fait, des gens sont à la défaite. Frère, moi, ma victoire m'accompagne partout. Dans mon travail, je suis victorieux. À l'église, je suis victorieux. Dans ma maison, je suis victorieux. Dans mes relations, Dieu, je suis victorieux. Un victorieux, c'est quelqu'un qui est toujours en train de célébrer Dieu. C'est quelqu'un qui est toujours en train d'être dans l'adoration de Dieu. Un victorieux qui a envie de faire, d'être reconnaissant à Dieu, il est bouillant pour le faire. Il ne le fait pas avec réserve, parce que Dieu ne peut pas te donner de sous de vie. Ce Dieu qui t'a donné sous de vie, il a envie de l'adorer. Frère, tu ne dois même pas regarder ton voisin. Tu ne dois pas regarder ta voisine. Parce que tu sais où t'emmener. Il y a des gens comme tu sais qu'il est possible là. Peut-être pour toi, c'est Kafa qui te poursuit. Donc pour toi, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, frère, dans ma famille, il y a des sorciers et des sorcières. Ils cherchent à faire de moi soukouya. Mais si je dors, si je leur permets cela, ils vont avoir la victoire sur moi. Mais en réalité, pour ma situation, ce sont des Amalek pour moi. Toi, c'est quand tu vois un sourire traverser la mer, c'est le sourire qui est toi, ton Amalek, bon, ça, c'est ton affaire. Mais moi, je sais qui en veut à ma vie. J'étais avec le pasteur Drami à Hachot, à Bassa, au mariage de ma soeur, et puis on était en train de passer. Puis, il y a deux groupes de personnes qui nous dépassaient. Nous, on était devant. Nos épouses étaient derrière. Et puis il dit, le monsieur là, on te plaît ou bien ça? Ça te plaît ou bien ça? Je dis, mon histoire ne suit pas tout. Alléluia. Donc on m'a frappé pour lui là. Vous venez encore. Peut-être que les gens vont m'attraper, c'est un vrai. Frère, mais je ne peux pas ressembler à quelqu'un d'autre. Je ne ressemble que à ceux qui sont aussi dans la révélation d'une grandeur. Amen. Peut-être que tu ressembles au pauvre, quand on va te demander, oh lui, il a été un pauvre. Frère, ne vous devez pas rentrer dans une révélation. Moi aussi, je dois rentrer dans une révélation. Donc, je ne sais pas quand pour lui avoir arriver. Mais frère, moi, je suis déjà dans l'air. Je suis comme l'air. Je suis déjà positionné. Et pour cela, pourquoi je m'attache à Dieu? Premièrement, pour rentrer dans la révélation, il faut t'attacher à Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne veulent pas s'attacher à Christ. Toujours, Dieu dit, il faut prier pour nous. Il faut prier pour nous. Frère, ce n'est pas une. Mon père spirituel, Django Thomas, n'a pas passé son temps en train de prier pour moi. Sinon, je n'allais même pas être ici. À un moment donné, tu ne restes plus un enfant. Tu commences à devenir maintenant un fils. Or, c'est au fils que qu'on transmet l'héritage. Amen. Et la Bible te dit, autant. Aussi longtemps que l'enfant
L'héritier sera un enfant unique et sans doute. Aussi longtemps l'héritier, que l'héritier demeure enfant, il ne diffère rien de l'esclave. C'est pourquoi la Bible dit que les esclaves sont sur les chevaux et ce sont les princes qui sont à terre. La remarque que je fais, c'est que j'ai comme l'impression que les chrétiens qui sont des victorieux sont encore à terre et les esclaves sont sur les chevaux. Ce midi, je déclare sur ta vie que ton esclave qui est sur ton cheval, il descend, il descend, il descend. Au nom de Jésus, frère, il ne va pas rentrer en 2020 avec ton héritage. Considère que c'est un Amalek. Et le Seigneur te dit que c'est une guerre. Regardez, quand on lit le livre de Jude 6, on voit que la Bible nous rappelle l'histoire de Gédéon. Dieu dit qu'il est un vaillant héros. Dieu lui a dit vaillant héros, mais lui-même, il ne sait même pas qu'il est vaillant héros. Frère, tu es dans la maison et on t'appelle temple des victorieux. Mais toi-même, tu te comportes comme quelqu'un qui est défectueux. Ou défectiste. On a compris. Bon, tu es quand même vaincu. Vous savez, moi, j'ai, au village, là, au campement, j'avais 5 chiens. Quand je vais, mes chiens, là, quand j'arrive quelque part, mes chiens là, prennent de l'autorité. Et quand un chien prend de l'autorité, ça crée bien dressé. Mais quand il est défectiste, il met sa queue entre ses jambes. L'impression que j'ai, on a comme que des chrétiens, malgré qu'on leur dit, je vous ai donné le pouvoir, vous avez reçu l'autorité, mais quand le chrétien face à l'adversaire, il passe comme, il y en a même qui dit, moi je ne vais pas provoquer Satan. Frère, ce n'est pas une affaire de ne pas provoquer Satan, mais il y a une guerre contre toi et Satan. Amen. Amen. Non. Alléluia. Donc si tu ne t'attaches pas au Seigneur, tu vas échouer. Et ça, c'est une résolution que tu dois prendre. Fais le choix. Dans la marche ici, dans le combat, Moïse a fait un choix d'équipe. Frère, pour être victorieux, il faut un choix d'équipe. Le pasteur Pony a fait un choix d'équipe. C'est cette équipe qui nous a amené jusqu'à aujourd'hui 29. Frère, des hommes et des femmes, des gens ont occupé ou occupent des postes de responsabilité. Sans cette équipe, certainement, nous aurons déjà échoué. Alléluia. C'est pourquoi quand même l'ennemi venait, l'équipe, d'une manière ou d'une autre, s'est mise à la tâche. Amen. C'est vrai que beaucoup ont été défaillis. Oui, ça c'est mon français. Si tu veux, il faut comprendre. Si tu veux pouvoir comprendre, moi j'avance. Amen. Alléluia. Quand on dit que l'on va prier, ils ne sont jamais à la paix. Mais le combat que j'ai dit ici, c'est un combat spirituel. Une église où on ne prie pas, c'est une église qui ne peut pas être victorieuse. Il y en a qui doivent partir prier pour nous. Vous savez les combats que moi je mène les nuits. Alléluia. Ma fille Bernadette, je crois que tu vas rentrer dans une dimension. Parce que avant hier, je menais un combat spirituel en ta faveur. Et je crois que le Seigneur te permet d'entrer dans une autre dimension. Parce que j'ai vaincu le combat. Je déclare cette victoire sur ta vie au nom de Jésus. Frère, Dieu fait comme ça. Il y a des moments, il envoie pour que quelqu'un te donne. Et puis toi, tu le mènes. Alléluia. Et je crois que ce que Dieu t'a promis, Dieu a préservé pour toi qui te permet d'entrer dans cette révélation. Amen. Frère, c'est pas un jeu où on rentre là. Si tu rentres en 2020 avec ton même comportement de nonchalance, ton comportement de quelqu'un qui a vécu, frère, 2020 va passer. Quand je serai dans mes 4x4, avec combien de places, je ne sais même pas. Tu vas prendre la poussière, tu vas dire le pasteur il est mauvais. Non, le pasteur, toi, vous n'avez pas les mêmes dimensions. Alléluia. Dimension. Alors,
mon premier responsable me disait, bon, je ne sais pas qui je vais envoyer à Niamon, mais malheureusement, c'est toi que je vais envoyer. Il me disait, ça veut dire, je suis patron. Parce que ici, là, c'est moi qui s'est choisi Jésus. Et c'est lui qui va positionner Jésus. Frère, c'est celui-ci qui te compte que tu positionnes. Ce n'est pas de la compromission. Ce n'est même pas de comment on appelle ça même? Le terme, on dit l'amitié, c'est parce qu'ils sont. L'affinité. Ce n'est pas de l'affinité ou du favoritisme. Frère, c'est des responsabilités. Si je compte sur toi, la Bible nous a révélé ici que Mimi doit partir donc avec moi. C'est parce que Dieu sait qu'il est capable d'accomplir la mission. Frère, un terrain nu, on a besoin de guerriers, on a besoin de champions, on a besoin des héritiers, on a besoin des hommes de force pour renverser, pour partir, pour arracher. Mais est-ce que tu peux partir? Yes, c'est un combat. Alléluia. Moi je dis en même temps, pasteur Bonny, celui qui ne prie pas, il ne me suit pas. Celui qui n'est pas prêt pour mettre sa tête pour qu'on coupe, il ne me suit pas. Parce que où on va, Niangon, on ne dort pas. Celui qui aime sommeil, il ne faut pas nous suivre là-bas. On va trouver des gens qui nous font pour mener ce combat. Et Dieu les a déjà prédisposés. Alléluia. Frère, troisième chose, il faut obéir à l'autorité. Frère, si on n'obéit pas à l'autorité, on échoue. Tu ne vas jamais avoir une victoire. L'autorité, si on fait comme ça, on suit l'autorité. Il n'y a rien à faire. Frère, Moïse a dit, je viens pas au combat. Il et Aaron sont avec moi sur la montagne. En réalité, quand tu regardes bien, Josué n'est pas de la famille de Moïse. Il et Aaron, eux, ce sont ses frères. On allait dire, hein, Moïse est mauvais. Ah, là où c'est dangereux, là, c'est là qu'il veut. C'est comme si je disais, ah, parce que Bruno, donc, le terrain qui est sec, là, c'est là, il m'amène. Mais frère, la Bible dit Moïse est à la montagne. Ça veut dire que pendant que je suis là-bas, eux, ceux-ci sont à la montagne. Et Dieu va nous donner la victoire. Parce que la couverture est d'ordre spirituel. Amen. Frère, tant que tu es sous cette responsabilité, tu es sous notre responsabilité spirituelle. C'est pourquoi quand on prie pour vous, Dieu est obligé d'agir. Ce n'est pas nous, mais à cause de son nom que nous invoquons en votre faveur. Alléluia. Quatrième élément, laissez donc le Saint-Esprit nous conduire. Frère, sans le Saint-Esprit, si tu n'écoutes pas la voix du Saint-Esprit, tu vas échouer dans tout ce que tu vas faire. Moi, souvent, je dis à mon épouse, quand elle m'a dit, je veux faire une décision, puis je lui demande, elle me donne son avis, mais je l'église un peu. Et puis, je demande à deux ou trois personnes. Malheureusement, ce que j'ai dit, j'ai méprisé. C'est ça, quand je demande à deux personnes, ils me confient cela. Eh bien, toi là, tu ne me considères pas. Alléluia. Or, la Bible dit, quand la Bible dit la nuit porte conseil, vous pensez qui est la nuit? Qui est dans la nuit? Nous qui sommes mariés. Qui est dans la nuit avec toi? C'est l'épouse. Alléluia, elle est en train de vendre ses chaussures. Non, mais c'est ça, des bonnes choses. Je lui ai parlé, elle va me donner la vraie réponse du Céleste. C'est pourquoi les femmes ont le comportement du Saint-Esprit. Elles s'attristent pour un oui et non. Acclamons le Seigneur pour les femmes. Alléluia. Ma fille était en train de donner une révélation, Madame Mimi, qui me disait, nous sommes à une période très difficile. Et que la période, c'est la période où chacun de nous doit s'attacher au Seigneur, où chacun de nous doit prier, où chacun de nous va veiller sur son âme, sur son corps physique, pour ne pas que tu tombes dans le piège des méchants. Et c'est la période où l'ennemi a envoûté les nourritures. Donc, vous qui devez manger les nourritures, il faut faire attention, frère. C'est pas parce qu'on dit fait. Alors tu vas manger n'importe où. Si tu te mets à manger n'importe où, tu seras envoûté. Fais tes finir et puis toi tu seras en situation de maladie. Que cela ne soit pas pour eux, bien pour le nom de Jésus. Cinquième élément, nous devons donc travailler dans l'unité. Frère, tout ce qu'on fait, s'il n'y a pas d'unité d'esprit, on échoue. C'est pourquoi il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pourquoi au commencement, la Bible dit, faisons l'homme à notre image, dans
l'unité qu'ils ont créé l'homme. C'est pour ça que l'homme est complet avec ces trois dimensions. Alléluia. Amen. L'esprit, l'âme et le corps qui renferment la présence divine. Frère, tant que tu ne travailles pas en unité d'esprit, tout ce que nous allons faire, s'il n'y avait pas une unité, si on, c'est vrai qu'on se marche de temps en temps dessus, mais on arrive à devenir un. Si on n'était pas un, dans cette communauté, il n'y aurait pas eu de vie ici. Que tu sois dans ta maison, que tu sois dans ton lieu de travail, si vous n'êtes pas unis, vous échouez. C'est quoi notre nation, la Côte d'Ivoire, a besoin d'unité. Malheureusement, on peine à avoir l'unité. Et si on crée les conditions pour ne pas être un, alors naturellement, ce qu'on cherche, on va trouver. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Amen. Donc c'est guerre. Guerre. D'Amalek. Et Amalek ici, c'est l'image de Satan. La victoire, c'est l'avantage qu'on remporte sur des concurrents qui restent derrière pour être venus dessus. Ou des ennemis dans une guerre, dans une lutte, dans une bataille, dans un combat, etc., dans une épreuve, dans une compétition. La victoire, c'est aussi le temps de triomphe, le temps de célébration. Mais pour arriver à la victoire, en tant que chrétien, il faut être un homme de prière. Alléluia. La prière ici, c'est ce que nous voyons. La Bible dit que Moïse levait les mains. Regardez, on voit ça comme c'est un jeu. Dieu nous présente deux aspects, l'aspect physique et l'aspect spirituel. L'aspect physique, c'est ce que Jésus faisait de manière physique. Mais l'aspect spirituel, c'est ce que Moïse faisait devant l'Éternel à la montagne. Si dans vos maisons, il n'y a pas de gens de prière, pour que d'autres, en travaillant, en partant chercher l'argent, ils aient. Il réussit dans ce qu'il veut faire dans leur entreprise. S'il n'a pas prié, vous allez échouer. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, on échoue dans ce que nous voulons obtenir, les promesses de Dieu, parce qu'il n'y a pas d'unité d'esprit. L'unité, donc, est tellement importante. Et c'est par l'unité que nous pouvons réussir. Alléluia. Dernier élément, pour que nous partions dans un temps de prière, il nous reste quelques minutes. Nous devons toujours adorer Dieu, c'est là qu'on scelle les bénédictions, c'est là qu'on scelle les révélations. Malheureusement, je reviens toujours de dire, le chrétien n'a pas, le chrétien francophone n'a pas la révélation des choses. Quand quelqu'un est en train de prêcher, il révèle les choses, il faut que tu serves sur sa parole. En d'autres termes, c'est physiquement que tu le fais, mais spirituellement, la révélation que tu viens de recevoir a son accomplissement aussi dans ta vie. Alléluia. Quand on dit ça, les gens pensent que c'est l'argent qu'on cherche. Moi d'abord, j'ai un salaire. Donc, je n'attends pas forcément. C'est la grâce du matin. Alléluia. Donc, c'est ça que je paye ma vie. Je fais tout ce que tout le monde doit faire pour que l'œuvre de Dieu avance. Donc, je priais pour que j'arrête le travail pour venir si Dieu m'a dit non. Donc, je travaille. Et puis, je fais. Et je vois le pasteur Boni. En tout cas, je suis à son service et je fais ce que moi je dois faire pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est pourquoi tous les jours vous allez me voir, s'il ne m'a pas envoyé quelque part, aucune, je ne peux jamais manquer. Moi-même, depuis ma conversion, je sais pas si tu cherches. Combien de fois, souvent je dis à mes amis, je dis, c'est les petits temps où le pasteur est avec nous, on ne s'entendait pas là. C'est là que peut-être que j'ai manqué l'équipe. Mais sinon, depuis ma conversion, mon épouse est là. Quand il y a tant de culte, mon âme, ce n'est pas ni chez moi à la maison, ni ailleurs, c'est à l'église. Alléluia. Dieu cherche des vrais adorateurs. Mais il ne faut pas adorer seulement Dieu par ta présence aussi, mais avec tes moyens que Dieu t'a donné. L'homme de Dieu nous disait, il ne dit pas que je n'ai rien. Quand tu es en train de dire je n'ai rien, tu es en train de dire à Dieu tu es un mauvais bénisseur. Frère, même le souffle de vie là, c'est déjà un moyen. Celui qui n'a rien au genou au village, quand les gens qui, quand tu viens au village, puis les gens pleurent, ceux qui pleurent beaucoup là. C'est pas qu'ils n'ont pas d'argent. Mais quelqu'un, oui, au funérail. Mais quelqu'un qui vient et puis va faire sortir son argent pleure à sa place. C'est clair. Il va prendre son temps en paix pour quoi?
On dit c'est quelqu'un, il fait comme ça, il donne. On dit tombe, il fait comme ça, il donne. On dit les invités arrivent, comment on fait, il fait comme ça, il donne. Vous voulez qu'il prévoit. C'est la même chose. Souvent les gens disent c'est ceux qui donnent là, ceux qui ont un peu d'argent là, c'est pour eux qui prient ou bien c'est eux qui nous visitent. Attends, dites-moi. Il y avait beaucoup d'hommes en Israël, mais Jésus est rentré sur Zachée. Vous connaissez Zachée? Zachée était quoi? C'était un chrétien, un disciple de Jésus au commencement? Non, mais Zachée il avait quoi? L'argent. Il avait l'argent. Le blé. Vous pensez que Jésus là, il s'en fout de tout ça? Alléluia, il dit faites des amis des richesses impures. Ça là, quand tu dis ça là, ah, vraiment, souvent tu dis ah, Jésus, mais qu'est-ce qu'il dit comme ça? Mais c'est la vérité. Parce qu'au moment des situations difficiles, ces richesses-là peuvent te sauver. Pour qu'il fasse son ministère, je suis allé en Israël pour quitter à Jérusalem pour aller à Capernaum, je pierre là-bas. Mes amis, c'est comme qu'il était à Togo. Parce qu'Israël, c'est long. C'est pas large, mais c'est long. Mais je dis, c'est à pied. Il monte en bac. Vous prenez bac et il prend la cadeau. D'abord, il s'est apprêté pour faire son ministère. Il était charpentier, donc il a mis son économie pour servir Dieu. Ça veut dire qu'il a mis son argent pour faire l'œuvre de son père. Si Dieu t'a appelé, tu ne mets pas de l'argent pour faire l'œuvre de ton père, tu vas souffrir. Je n'ai pas dit t'appeler comme moi, pasteur, mais t'appeler comme converti. Tu dois mettre ton argent. Ah, les amis. En tout cas, ici, là, les gens me connaissent pour ça. Bon, peut-être qu'on finit ça, mais les gens me connaissaient pour ça. Alléluia. Je ne joue pas avec ça. Pour qu'on puisse partir sur la tête, j'ai dépoussé, je me suis battu pour avoir 800 000. Pour qu'on commence les fondements de ce que vous voulez. Vous voulez quoi? C'est pas un jeu. C'est ça, adorer Dieu. Les gens pensent à adorer, c'est venir. Tu es bon, ton amour est infini, c'est pas ça, charmant. L'adoration, c'est le fruit de ta sueur. C'est l'investissement que tu fais de ta vie pour l'avancement du royaume de Dieu. Quand on arrive là, les questions viennent serrer. Mais attends, moi je veux dire, enfant de pauvre paysan, j'ai d'aller avec de l'argent. Si lui-même ne m'avait pas gardé ce travail-là, j'étais renvoyé. Donc quand on dit l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui m'a donné. David pouvait dire, nous apportons à l'éternel ce que Dieu lui-même nous a donné. Qui est sorti du ventre de sa maman et son argent? Voilà la vie qui en est témoignée ici. Dit galère, tu galères. Mais Dieu s'est pourvu. Vous savez les sacrifices que Jésus a fait pour nous? La Bible dit pour toi et pour moi, qu'elle t'est donnée. Son sacrifice a coulé, son sang, ça veut dire qu'il a donné sa vie à Gethsemane. Gethsemane, c'est lieu de prière. Comme Moïse sur la montagne. Les gens ne veulent pas souffrir. Tout le cas venu du ciel. Frère, de la même manière, Dieu veut te bénir, de cette même manière, il t'amène dans une situation d'épreuve. Qui est au moins que Moïse? Mais quand même, Dieu même a mal à l'époque. Il est obligé de prier. Il est obligé de rentrer dans la révélation. C'est que quand il a vaincu, il va venir adorer Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, moi, je sais une chose. La dimension où nous sommes, c'est une dimension de prière. 2020, c'est les violents qui rentrent. C'est les violents qui vont éviter le lait et le miel. Je disais hier à mes amis que vous savez qu'il y a trois groupes de pasteurs, deux groupes de pasteurs. Il y a un troisième qui vient de s'ajouter à la mairie. Quand les gens demandent à recevoir les hommes de Dieu, on consulte mon organisation. On consulte l'organisation de Makoso et on consulte l'organisation du révérend Koulibaly. Alléluia. Mais avant d'aller vers ces personnes, on dit d'abord Jérôme. Pasteur Jérôme, donne-les. Envoie tes pasteurs. Alléluia. Frère, parce que dans la maison de notre bien-aimé, comment on l'appelle?
le babylonien. Le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Dans la maison de Nebuchadnezzar, il y avait un tamis. Frère, il y a toujours, Dieu dispose toujours des serviteurs de Dieu quelque part pour que la gloire lui revienne. Si je jouais, si je m'amusais, frère, là, moi, je sais ce qu'il y a de moi. C'est pourquoi quelqu'un peut dire, moi, je ne veux pas voir des gens. Mais la petite prière que je fais, je crois que Dieu est avec moi. Oui. C'est pourquoi je ne joue pas. Quand tu pries, je suis dedans. Quand tu attends, j'avance. Quand tu arrêtes, je m'arrête. À un moment donné, j'ai lutté ici, avec ma force, avec mes soeurs, mes amis. Des combats physiques qu'on a fait. Mais après l'état de combat physique, je suis passé maintenant à l'état de consécration. Auprès du passé pour lui. C'est toujours comme ça. Il y a un combat physique en même. Mais à un moment donné aussi, il y a un combat spirituel. Frère, rentrons plutôt dans la spiritualité pour que Dieu nous positionne. 2020 est l'année du positionnement. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Alléluia. Maranatha. Frère, c'est par la prière que nous allons terminer ce moment, ce culte, parce que Moïse nous a montré qu'il était en train de prier. Et nous représentons Moïse, lui et Aaron. Et c'est par la prière que nous allons terminer ce culte du 29 décembre 2019. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avons vu que tous les problèmes que nous avons aujourd'hui dans notre vie viennent certainement des situations que nous avons traversées. Mais pour que nous nous en sortions, il faut que nous rentrions dans la révélation de la prière. Et je ne veux pas que tu rentres en 2020 en demeurant encore sous le joug de Satan. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi toi et moi, nous allons rentrer dans un moment de prière. On dit avec moi prière. 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 Seigneur Jésus. Oh, ta manière, vous savez, la stratégie de prière se trouve ici, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 21, verset 19 au verset 21 également. Nous avons vu que Ézéchiel, Dieu lui dit, il faut battre les mains. C'est en battant les mains que tu bats, ça devient comme l'épée. L'épée à tout tranchant, en le faisant à gauche, en le faisant à droite, tu es en train de voir, tu t'y tailles à tes ennemis. Tu t'y tailles. Oh, Ephésiens 6 nous dit que nous n'avons pas de votre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés. Donc, ça veut dire, c'est un combat spirituel. Alléluia. Frère, ta manière de prier là, fais comme il te reste un pas pour entrer en 2020. Parce que dimanche prochain, nous sommes en 2020. Mais comment tu vas faire? Pendant que nous sommes là, des gens sont en train de mourir. Pendant que nous allons rester, il nous reste quelques jours, 3 jours à peu près. Mais pendant ces 3 jours, des gens vont mourir. Ça, c'est la vérité. Mais toi et moi, nous ne devons pas faire partie de ces personnes. Donc ta manière de prier, c'est une prière où toi-même tu crois que c'est le dernier cadavre de combat. Pendant que tu es en train de prier, le sorcier du village est en train de tomber. Alléluia. Oh, yes. Alors nous allons commencer. Parce que, pourquoi nous allons commencer par un temps de repentance? Tu vas répéter. Ce qu'on va faire, c'est des proclamations. Donc tu vas répéter après moi pour qu'on puisse dire parti. Parce qu'il nous reste juste. Nous sommes à 12h18, je devais finir à 15, mais on a 10 minutes. Alléluia. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Contre toi et la malédiction est venue sur nous.
Je tiens à cet instant précis. En tant que représentant de ma famille, tu vas dire le nom de ta famille, le nom de la famille paternelle et le nom de la famille maternelle. Seigneur Jésus, je tiens à cet instant précis. En tant que représentant de ma famille, de Philippe John et de Prendre Lunawe, implorer ta miséricorde. Dieu de miséricorde et de compassion, que ta miséricorde vienne sur moi et ma famille et efface tous nos péchés par le sang de Jésus. Seigneur Jésus, je me répands de toute adoration des idoles que mes parents ont adoré. Je me répands de toute adoration des idoles ancestrales. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Toute force de non-accomplissement manipulant ma destinée soit interceptée et arrêtée maintenant. Au nom de Jésus. Frère, pendant que nous sommes là, il y a des forces sataniques qui se sont positionnés, qui se sont stratégiquement positionnés, certainement qui ont parlé à la lune, qui ont certainement parlé au soleil, qui ont certainement parlé aux étoiles, qui ont parlé même au vent, qui ont parlé au soleil, qui ont parlé à la nature, contre toi et moi, contre notre destinée. Par cette prière, nous allons annuler et anéantir les actions. Alléluia. Gloire à Jésus. Je parle aux esprits qui opèrent au sein de mes miracles dans ma vie. Je parle aux esprits qui travaillent à ce que ma vie ne soit pas trouvée dans le succès. Je parle à toutes les forces qui luttent contre ma destinée. Écoutez la parole. Je me fais à vos pouvoirs, à votre autorité, à votre puissance, par le sang de Jésus, au nom de Jésus. J'enlève mon nom du livre des hommes qui échouent dans la vie. J'enlève mon nom des registres de l'échec depuis ma maison. Ma maison familiale, depuis la maison de mon père et de ma mère, j'enlève mon nom dans les registres de la tribu de ma famille. J'enlève mon nom dans les registres de mon peuple. J'enlève mon nom depuis les origines, depuis ma nation. J'enlève mon nom de tous les registres d'échecs, de non-accomplissement. Au nom de Jésus, je parle à toutes les réalités qui entravent mes bénédictions et qui s'opposent à mon succès, à ma joie, à ma paix. Je les fracasse. Je les fracasse. Je les fracasse. Contre ta victoire, ils sont contre ta destinée, ils sont contre ton entrée en 2020. Commence à les fracasser en battant les mains, en battant les mains, en battant les mains, en battant les mains, en battant les mains. Mon frère ne relâche pas, ma soeur ne relâche pas, mon frère ne relâche pas. Nous sommes, nous sommes à la fin. Frères et sœurs, il y a un ennemi, il y a un Amalek qui est assis sur ta destinée. Il y a un méchant, un sorcier qui est assis sur ton élévation, sur ta prospérité, sur tes affaires, sur ta destinée, la destinée de tes enfants. Ne relâche pas, ne relâche pas, ne relâche pas, ne relâche pas.
Tu vas recevoir la guérison automatiquement.